En parlant de police, de caractère, est-ce que vous savez quel est le rapport entre une police de caractère et la police? Ah bah le rapport, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y a aucun rapport. En fait, la police, genre la police nationale, voilà, les agents de la police, voilà. Le mot police vient de politeia en grec et police, voilà, qui signifie en fait bah, tout ce qui a à voir avec le monde politique pour politeia. Hein, donc ça peut être l'administration, le régime politique, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis police, ça veut dire la cité, comme dans métropolis. Tandis que pour une police de caractère, le mot police vient du terme apodeixis, qui signifie preuve ou démonstration. Voilà. Bah oui, parce que ce qui se passe, c'est que la police de caractère, ça n'existait pas avant l'imprimerie. Avant, simplement, on écrivait. Il y avait des alphabets, mais il n'y avait pas de police de caractère. Les polices de caractère sont apparues dès lors qu'on a commencé à fondre des caractères sur des plombs, enfin du métal ou de la fonte, hein, hein, pour pouvoir les réemployer et ensuite imprimer. Ce sont les preuves. Oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, voilà, c'est de là que ça vient. Une police de caractère. Donc, police et police de caractère, ce sont des faux amis. Hein? Vous vous rappelez, on en a déjà. Non? Ok. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, quand on fond justement le métal pour obtenir ces caractères-là, qu'on utilise après pour l'impression, on ne l'utilise plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est numérique, mais à l'époque, on le faisait en métal et tout ça. Et ben, ce qu'on obtenait, l'ensemble des glyphes, l'ensemble des caractères et de tous les signes qu'on pouvait utiliser dans la langue, eh ben, ça s'appelait une fonte. C'est de là que ça vient, le mot fonte. En l'occurrence, en français, quoi. D'ailleurs, en français, on devrait dire une fonte. Mais par contre, il y a une différence qui est fondamentale entre une police de caractère et une fonte. Parce qu'on croit souvent que le mot fonte en anglais veut dire police en français. Pas du tout. Pas du tout. C'est fonte family qui veut dire police en français. C'est-à-dire, un exemple tout quand vous allez voir. Si vous dites on utilise de l'Arial. L'Arial, c'est une police de caractère, c'est une fonte family. Si vous dites j'utilise de l'Arial rouge de 11 points de haut en gras et italique, là vous avez une fonte. Et là, subtilité. Donc voilà, c'était la preuve. Voilà, donc police de caractère, ça vient de apodeixis, qui veut dire preuve, ou démonstration, ou raisonnement valide, enfin voilà, tous les synonymes que vous pourrez utiliser. Et je vais couper ce truc-là parce que ça me fait mal à la tête. Mais dès que j'aurai fini, voilà. Donc en tout cas, c'était juste une petite démonstration en attendant la suite. Allez, salut!